Tiens, c'est Witcher. Ouais, je teste du WoW de temps en temps, comme ça. J'essaie de me la faire Brutus. Hop, voilà. Elle est sur GOG, mon petit The Witcher. Go. On est parti. Tac. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée de lundi. On va essayer de jouer, de faire une bonne session avec des rigolades et tout. Voilà, et puis alors j'envisage, après ça, je verrai ça avec vous. J'envisage de retirer les sons qui sont déjà installés, vu qu'on ne les entend pas beaucoup, et quand il y aura des nouveaux sons qu'on pourra faire, je les mettrai à la place. Donc, et que je montrerai les sons. Ouf! À mes oreilles, quoi, il mal! Je montrerai le son des jeux comme là, je viens de baisser le son de mon casque. Vous vous rassemblez devant moi, Enfin, pas des jeux, mais affamés. des sons en point de chaîne. Voilà. Allez, on est go. Le contact du sorceleur à Velen était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Ciri. Hélas, Geralt arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu. Sur Hendrik. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre local, le baron Sanglant, et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Si vous frappez un adversaire en chevauchant vers lui à pleine vitesse, vous aurez une chance de le tuer sur le coup. Ça, c'est une bonne astuce. Alors, je partais par là-bas. Allez, go. Miaou, miaou. J'ai décidé de couper à travers champs, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vois le jeu qui m'indique d'aller à l'opposé, mais... Pourquoi d'ailleurs le jeu m'indique d'aller ici à l'opposé? Ah, parce que c'est pour les passages. J'ai un passage là? Ouais, j'ai un passage là. C'est rendu où leur truc? Attends, ça c'est quoi ça? Affaire de famille, parler au baron de sa famille. D'accord, donc c'est bien là. Par contre, il faudrait que j'aille par là. Pour avoir le ponton. En avant, Ablette. Attends, j'ai mis ma marque ici. On y va. C'est plus loin? C'est l'autre côté. Demi-tour, droite. Moins vite.
Non, c'est pas envie. Non, c'est pas envie. Un trou comme ça, non, c'est pas très avenant. Il est là, le pont. Il fait rater le pont. C'est bon. Oh, j'adore la musique. Excusez-moi, madame, je faisais demi-tour. C'est pas voulu, c'est un problème de pilotage. Attends, c'est où que... C'est par où que je monte, d'habitude. Allez. Ouais, arrête de courir, Ablette. On va y aller cranquer là, mémé là. J'ai retrouvé le chemin. Pistache. Vous vous souvenez de moi ? Salut Mazoué. Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. J'ai entendu le son pour une fois. Et comme j'ai pas mon suivi de tablette, j'imagine que c'est Mazoué, parce que c'est souvent Mazoué quand il arrive, il met pistache. Je vais aller faire pleurer le colosse. Mais fais des bruits bizarres toi quand tu t'étires. Qu'est-ce que tu m'as? Allez, je fais deux secondes ça. Ah, ma tablette va se relancer parce qu'elle était en mise à jour. C'est pour ça que j'avais pas mon suivi de live. Comment il va, mon Zazouille? Il a passé une bonne journée, moi. Enfin, il a bien dormi. Parce que toi, c'est le début de la journée, toi. Sorceleur, un mot, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Bah écoute, moi ça va. J'ai bien dormi, bien travaillé. Et maintenant, je vais bien joujou, et comme ça sera une journée bien, bien, bien.
Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Vous voyez ces roses très bien, Violette? Ah, je les entends, les sons. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celle-ci, les nervurées. Ah, cool, si tu les entends. Les Ricania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose... Un peu fort, mais ça va. Non, mais pour de vrai, sans déconner, les sons sont un peu forts. Ou j'ai mal lu. Parce que là, tu me fais peur, là. Oui, un peu fort. Non, mais tu déconnes ou tu blagues ou comment ça se passe? Parce que j'ai rien touché, hein. Je suis sûre que t'es en train de me faire une blague, là. Pardon. Avoue que t'es en train de me faire une blague. Chez bébé. Non, sérieusement, ils sont un peu forts ou pas? Non, bébé, je parle à Zazouille. Parce que tu vois, j'envisageais de les retirer vu qu'on les entendait pas. Donc si maintenant tu me dis qu'ils sont un peu forts, ça, je peux réussir à gérer, mais... Sinon, retiens-les au pire des cas. Mais non, tu m'as dit... Là, ils sont forts ou ils sont pas trop forts? Parce que je peux monter le son du jeu, par contre. Hein. J'ai monté un peu le son du jeu, si tu veux. Comme ça, tu entendras un peu moins les sons. Non, parce que le but n'est pas de les retirer, mais c'est comme on les entendait pas le trois quarts du temps, c'était pour ça que j'avais parlé de ça. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Ochsenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidé, je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne. J'ai rempli mon contrat. Vous avez des dizaines d'hommes à votre service. Envoyez l'un d'eux. Vous refusez d'y aller? Exact. Allez au diable! Non! Enfin, on ne sait jamais. Si vous la croisiez par hasard, prenez ceci. Et assurez-vous qu'elle n'a rien. Qu'est-ce que c'est? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontard, très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous après, étiez censé sonne, j'arrive. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Soit.
parole donnée. Une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai pas suivi. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? Sur les routes, on va mettre. Un peu ici, un peu là. Ah, étonnant. Vu que tu montes toute seule. Et toute seule. Elle est des nôtres à présent. Tout juste. T'es des nôtres, on trinque ensemble, on a tué un sanglier ensemble, et pourtant, on sait pas comment t'as fait pour arriver jusqu'ici. Une j'ai marché. Habillé comme un homme avec un rasoir dans le dos. T'es qui, au juste? Une mercenaire? On va éviter de mettre je suis sorceleur, déjà que j'ai pas mis qu'elle était à Carmoren. On va mettre je suis une simple voyageuse. J'ai roulé ma bosse, c'est tout. Et je ne suis pas toujours tombée sur si aimable compagnie. C'est causé, la petite. Oui. À l'aimable compagnie. Ouais, ouais, comme d'hab. Ça me plaît. Ça beau sec, ça sait manier l'épée. Ça te refroidit un sanglier comme un rien. Une vraie louve, que je dis. Du calme, du calme. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Ah. Me mesurer au baron en personne, ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. J'ai pas suivi l'histoire. Ouais, maintenant que j'ai augmenté le jeu, les sons, c'est bon ou pas? Pourrez-vous prêper le chignon plus tard? Là, faut se tailler d'ici. Ah, on entend bien les sons là sur ce coup-là. Vous êtes prêts? Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé de. Attends. Premier rendu à la tour. Ouh! Pencil. Ok. Allez, Ciri. Est-ce que je peux faire... Merci. Deux secondes. Je regarde un truc, parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé d'endroit, les sons. Youhou ! Ah non, c'est toujours sur le... D'accord. C'est toujours sur le bon canal. Il faudra me dire si c'est vraiment trop fort. Hein. Je pourrais aller baisser. Je préfère quand c'est trop fort, je peux baisser. Partez, ok. Mais j'ai pas suivi. Par là. Oui, j'avais le même autrefois. Pas aujourd'hui. Réduler un peu pour mes oreilles. Ouais, je vais te le faire, ouais. C'est bien, pour toutes les fois, on les avait pas entendus. Là, au moins, ils sont...
un cheveu. Merci. Ne m'enterrez pas trop vite. Félicitations. Assez parlé. Vous pouvez dire adieu à votre épée. J'attends ma récompense. Qu'est-ce que... Alors, tac, je te les baisse. Moi, je préfère les baisser, hein, honnêtement. Hein, on a galéré déjà pour avoir du son sur nos trucs. Alors... Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. J'ai baissé la jazou, si tu veux essayer. Alors, je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh. Mémoire de poisson rouge. Là. Vous apprenez vite. Quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas, je retrouverai Anna. Adieu. Comme ça, c'est parfait, Makata. Parfait. T'entends bien le jeu ? Et ma voix, ça va aussi ? Si tout est bien programmé, c'est cool. Oui, t'inquiète pas. Super, merci beaucoup, mon Zazouille. Heureusement que toi es là, je serais perdue sans toi. Qu'est-ce qui vous arrive, les petits canaris ? Oh, bah, ça va. Oh, j'ai le même skin sur Fortnite. Oh, maman. Bah, c'est normal. C'est le même truc pour le sac, c'est le même truc pour le personnage. C'est normal. Il y a l'épée. C'est lui. Bah oui, c'est normal. Attendez, je le lance sur son truc. Hop, alors. Bon, je dépouille tout, hein, c'est pas grave. Personne n'y dira rien. Je suis un sorceleur. Donc, il faut tout me donner. Pour jouer, ce sera plus compliqué, hein. Avec les mains, je suis pas sûr que le jeu il comprenne ce que vous essayez de faire. Avec les pieds. Oui, bon, encore mieux. Tu veux pas non plus faire avec les galipettes non plus. Oh, c'est... Voilà, ça t'apprendra à dire des bêtises. C'est où la sortie ? Moi, je vous le dis, hein, ce jeu va durer 300 heures. Je fais que de me paumer. C'est bon, il n'y a plus rien à attraper. Bon. Plus rien à prendre. Là-dedans, il y a peut-être à prendre quelque chose. Désolé, mon gars, je t'ai éteint la lumière. Par contre, tu pourrais faire un peu le ménage, il y a des sacrées toiles d'araignée. Hein. Ouais, enfin, t'as l'air d'avoir bien picolé, toi, encore. Ah, est-ce que c'est par là la sortie ? Mettez-moi des panneaux. Ah, c'est bon, c'est une sortie.
On est go, on est go. Allez, Ablette. Ah, amène-toi, Ablette. Ah, mais tu t'es caché là-bas, Ablette. T'aurais pu le dire. J'y venais. J'aurais pu t'attraper là-bas. De l'autre côté. Youhou. Demi-tour. Mais... Pas si vite, Ablette. Il veut que j'aille où? Ah oh, bah t'avais qu'à te pousser hein. Ah mais attends, allez. Vous cherchez les ennuis. Attendez, trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil où elle vit. Encore un coup à me perdre 15 fois, ça. C'est moi qui vous le dis. Par contre, est-ce que je dois réellement sortir de ce patelin ou pour la shipper, la sorcière, ou pas? Elle est où, la sorcière? Ah, là. Ouais, donc faut vraiment sortir de la ville. Ok. Qu'il y a un pont, mais à chaque fois je le cherche. Hier, il a rapporté un saut de cuchu. Allez là. Salut les gars, bonne année. Hop là. On galope et on galope. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Seul con. Ouais, oh, les insultes là, méchants. Je vais pas demander de m'insulter, moi. Moins vite. Je joue à mon jeu et j'ai vu un gros poster d'araignée passer devant moi, mais de façon à ce que tu la vois pas trop. Les jeux ont compris que tu adorais les araignées, que veux-tu? C'est pas ton jour de chance. Wouhou! On y va! Plein gaz, Ablette! Youhou!
L'avait cru qu'il pouvait m'embêter. Bonjour monsieur. Allez. Par là. Merci Hamlet. Sous ordre du commandant de l'armée, hein, les habitants de la ville d'Aubreuil et Noirfeutet ont l'obligation de présenter au camp près de Aubreuil afin de se soumettre aux travaux forcés pour l'Empire la personne. Ah bah, c'est... très aimable. T'as vu mes muscles ? Oui. Son fils, pauvre Mathieu Garnier, verra toujours des voyous, des pillards, des enfants, tous autant qu'ils sont. J'ai pas besoin d'une sorcière. Grâce aux dieux, j'ai la santé. Et que je sache, elle transforme pas la pierre en pain. Allez, quoi, allez, et elle nous aide comme fou. Ses sorts ne remplissent pas l'estomac. En plus, elle n'a pas de verrue et elle ne bouge même pas. Sans compter qu'elle n'a pas de cheveux gris. C'est pas naturel. Alors, qui va essayer de charmer la sorcière qui demande. J'ai des oreilles. J'entends ce que tu dis. On racontera tout ça. D'accord. Oh, et pense à lui ramener une offrande. Trouvez la sorcière par vos propres moyens, demandez aux habitants de l'Aubreuil. La faim l'a rendu tout. Des bandits et des pleutres. Il faudrait qu'il fasse, il devait aller chasser l'ours. Il n'a gardé que son garçon. Il aurait gardé son fils. Oui. Attention! Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche une sorcière. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Il vous est arrivé quoi à la figure ?
Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Vous êtes du genre têtu, vous. D'accord, d'accord. Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes de votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre? Ben, les chasseurs de sorcières. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Oh, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Si c'est Siri, si tu viens de balancer ça, toi, sur Siri, je pense que tu vas mal finir. Il doit y avoir un gros rocher près de l'étang. Vous cherchez les ennuis, inutile. Et vous trouvez. Vous cherchez vous, cheveux blancs? Le baron sanglant. Mon fils? Alors tu dis ramène tes fesses et toi tu descends ton pantalon, non mais oh. Ouais, ouais. De son tapis. Ah, le gros rocher. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. Je crois qu'il va avoir mal de tête, lui. Ça roule, ça roule, ça roule. C'est bon? J'espère que t'as pas trop vomi, hein, parce que... Pfiou, vu comment t'as roulé. De la sorcière ne doit plus être loin. Par contre, il y a une croix rouge sur ma carte, c'est quoi? C'était ça. Ok. On y va. Mamzelle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pus qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit. Lui fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui.
Elle est de mauvaise humeur. On fera mieux de revenir demain. Attention à ce que tu dis. Elle a la malédiction facile. Il lui faut... Il y a quelqu'un ? Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. Impressionnante collection. Où a-t-elle bien pu passer ? Un pentagramme tracé à la craie. Ce genre d'ornement n'est pas monnaie courante à Velen. C'est où il y a le pentagramme qui avait passé. Impressionnante collection. Attends. J'avais pas vu ça. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ok. Ça, par exemple, pas mal. Eh ben, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Bon, je ramasse quelques fleurs au passage, si tu permets. Salutations, sorceleur. Elle a oublié un endroit. Où ça ? T'es venu pour te rincer l'œil ? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. Keramès, perdu en plein cœur de Velen. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi.
Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami. Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Des nouvelles de tes sœurs de la loge ? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. I love you, mon petit cœur. Tu veux d'en savoir plus ? Si, bien sûr, mais je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Ou pire encore, qui pourrait m'entendre. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici ? Laisse-moi réfléchir. Je profite du bon air de la campagne ? Non. De la vue imprenable ? Non plus. Voyons, qu'est-ce que je peux bien faire ici ? Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi ? Tu n'es pas au courant des affaires du monde ? Tu veux parler de la persécution des mages ? Oui, bravo ! Bien sûr que je veux parler de Radovid et de sa chasse aux sorcières. Les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose ? Des criminels qui arpentent le Nord pour brûler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. Changeons de sujet. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment ? Et qui est-elle ? Apparemment, elle aurait contrarié la sorcière du village. C'est ridicule, Gérald. Les filles de la région n'oseraient jamais s'attaquer à moi. Elle n'est pas de la région. Tu me caches quelque chose, Gérald. Si tu veux que je t'aide, dis-moi la vérité. Qui est-elle vraiment ? Ciri. Ciri ? Je comprends mieux maintenant. Ça explique tes mystères et ton air maussade. Et tu dis qu'elle a eu des ennuis avec une sorcière. Tu ne l'as pas vue, si je comprends bien. Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. T'as dit quelque chose d'autre à son sujet ? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière ? T'offre ma gratitude éternelle, c'est suffisant. Je ne crache pas dessus, mais tout de même, vu ta propension à te fourrer dans le guépier, je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe, et pas un Scoia'tael pouilleux, un mage. Il a dit comment il s'appelait ? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri ? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle ? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver ? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi ? Tu as peur que je me perde ? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais... j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Bien, allons-y. Oui, en avant. Alors... Tu es déjà venu ici ? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais, pour ce qui est de cet endroit, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Viens !
Elle a grand. La chasse sauvage. Quoi ? Des cavaliers fantômes ? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. Admire les cavaliers inexistants, alors. Ils ont un navigateur avec eux. Un quoi ? Tu peux nous téléporter de l'autre côté ? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre ? Oui, dépêche-toi. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Utiliser les sources de sorceleur pour trouver Kira. Alors, d'où est-ce qu'il va passer ? Par ici ! Saute pas surtout. C'est pas ton jour de chance. Quoi ? Moi aussi. Tu sais, c'est pas sa paire d'être le même, tu vois.
Ok, je reprends les fiches. C'est pas ton jour de chance. Sortir de la flotte, parce que quand ils sont dans la flotte, je peux pas après les ramasser ce qu'ils ont sur eux. Par contre, je voudrais voir, c'est l'alchimie. Alors, accélère la régénération de vitalité, regain de vitalité, rend 2 secondes de succès. Le miel réduit l'intoxication, et ce c'est quoi ? Il peut servir pour améliorer les compétences et créer des décoctions. Pierre runique améliorée, 10 perforante. Placée sur un placement vide d'une épée pour améliorer ses caractéristiques. Ouais, deux chances d'infliger du gel et 2% de chances d'étourdir. Les noyeurs, c'est faisable, par contre c'est la grenouille, là, l'espèce de grenouille, là. Elle, ça va être plus coton. Yeah.
c'est qu'elle fait bobo la quenouille. C'est que la quenouille, elle est pas très très aimable. Hein. Ah, The Witcher a planté. C'est pas la première fois en plus qu'il me fait le coup. Je sais pas pourquoi. Déjà, j'avais vu que là, graphiquement, il était pas... Il a l'air baissé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ma carte graphique et mon processeur le prennent largement. Tu sais pas tenir debout, faut le dire, hein. Bon, le jeu a planté. Toi aussi ou que... ou le mien. Non, mais à chaque fois, il me fait le coup. Je sais pas pourquoi. Quoi? Bah, si tu veux te baigner dedans, vas-y. Salut, Kaya. Comment ça va? Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie. Je peux te dire coucou, bah, c'est très gentil Kaya, merci beaucoup. La magicienne parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Geralt poursuivit donc... Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Quête du repère du mage. Chambre. Bon, la grenouille, on va peut-être essayer de l'éviter. Parce que la grenouille n'est pas spécialement très très aimable. J'ai un petit problème de grenouillage. Passe un bon live, Makata, des bisous. Des bisous, mon Kaya, à bientôt. 25 résistances et dégâts contendants, tranchants et perforants. Oh, comment il se la pète. C'est quoi ça? Est-ce que ici j'ai des trucs à mettre? Ah, je peux que mettre pour remplacer le. Pour l'instant, je peux pas déverrouiller l'autre. Je vais garder pour après. Oui? Presque. Il est moins le quart là. Thank you.
Mais le premier que j'ai tué pourtant. Le premier que j'ai tué plus loin. Non bah non, peut-être pas. J'ai 20, si là je peux faire l'alchimie. Voilà. Inventaire, potion. Toi ici, ça c'est quoi? Hop. Bon, on va essayer de pas se friter la grenouille. Ça m'arrangerait. S'il ne faudrait pas que je monte là-haut. Justement, ça ferait pas, je monte là-haut. Je vais essayer d'aller là-haut plutôt que d'aller vers la grenouille. Hein. Enfin, je t'avais tué, toi. Toujours avec son épée, c'est-à-dire qu'il y a encore une menace. J'ai pas fait du tout ce que vous pensez. C'est pas vrai. Je viens pas te m'auto-tuer. C'est pas vrai. C'est purement pas vrai. Je ne viens pas de m'auto-tuer. Attends, j'ai ramassé un pantalon, par contre tout à l'heure j'avais pas ramassé celui-là. Que moi, qu'est-ce que tu es? Ah! Voilà, on va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça.
ça. C'est celle-là. On va mettre ça. Alors vous vous ramenez, les gars ? Mais esquive ! Merci ! Mince. Je ne pas voulu tout me donner ce que j'avais d'habitude. Avec hard. C'est quoi cette bestiole encore? C'est quoi cette bestiole? Avec un apparemment.
secondes, je reviens. Oui, par contre, tu peux aider à ranger un petit peu. Attention, ma fille, pousse-toi. Merci. Alors. Ma fille. Ok.
Mimi. Non, mais ça, il n'y avait rien. Voilà. Oui. Pas avec tes bavouses, non. Quand tu seras mouché. Quand il sera mouché, oui. Ah, c'est vrai, par là. Donc en fait, ouais, je m'embêtais. Ça, c'était efficace. Par contre, ça serait par là-bas. Non, mais de toute façon, vous n'allez pas avoir le temps de jouer à Mario Kart. Kira. Oui. Lila Diak. Lila. Gérald. Où est-ce qu'elle est? Ils ont rajouté la Game Boy Color sur la Switch. Avec le Game Boy Advance. Ah bon ? Ben, la prochaine fois, hein, ce soir, de toute façon, ça va être trop tard. Mais la prochaine fois, vous ferez du Mario Kart au lieu de faire du Kirby. Je suis proche. Là. Oui, là c'est l'heure, ma princesse. Lila. Ah Gérald. Gérald, fais quelque chose. Elle a peur des rats. Détruisez le nid de rats à l'aide de signes de bombe. Mais tu m'énerves, le petit ratouille là.
Bonne soirée, mademoiselle. Le signe bombe. C'est ballot, hein? Lancer un signe. Mais oui, mais j'ai pas le signe. Signe ou de bombe? Je peux pas être sûr. Lila Diag. Et bon. Tu as peur des rats? Tu aurais pu les éliminer d'un simple sort. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Je prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous. Mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête. Nous devons partir d'ici tout de suite. Je dois découvrir ce que la chasse sauvage fait ici. On est venu pour trouver le mage elfe, pas pour affronter la chasse. S'ils le trouvent les premiers, on n'aura aucune chance de lui parler. En plus... Vas-y, continue. Attends, tu t'intéresses à la chasse pour une bonne raison. C'est en rapport avec Ciri? Tu ne m'as pas tout dit, je me trompe? Si tu veux des réponses, viens avec moi. Tu es toujours comme ça. Rhys et Yennefer ont vraiment du mérite. Ah, bien, allons-y. Elle a glande. Bien. Oh. Arrivé, la reine, la lune. C'est lui, c'est l'elfe. Harvey, Vak, Lady. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? Non, une projection morphotique. Pas de doute, c'était un message pour Ciri, la fille de la mouette. C'est elle, la descendante de Lara Doran. Oui, ça ne fait aucun doute. En revanche, je n'ai rien compris à cette histoire de signe de l'épée. Ce serait une énigme? Oui, mais pas trop difficile pour qui sait que l'épée de Ciri s'appelle Ziréel, Hirondelle. Comme si quelqu'un d'autre que toi savait ça. C'était peut-être le but. Ton mage elfe s'est assuré que seule Ciri pourrait trouver ce passage secret. Apparemment, il a négligé qu'un type dans ton genre pourrait venir fouiner. Vu ses dispositifs, je pense qu'il s'attendait quand même à des visiteurs indésirables. Espérons que la chasse sauvage se soit heurtée à ses protections. Allons-y dans ce cas. Tu penses qu'on s'en sortira en suivant les hirondelles? On verra bien. En suivant le symbole en forme d'hirondelle. Là-haut. Ancien port elfe? Ça doit être comme ça qu'ils sont arrivés, par la mer. Je me demande à quand ça remonte. Dans Hogwarts Legacy, ils se sont pas cassés la bicycle pour la reproduction.
Tu mets juste la femelle dans l'enclos et hop, elle est gestante. C'est parce que c'est pour les enfants aussi, tu vois. Ils ne pouvaient pas mettre la reproduction totale. Attention, cette vapeur jaune et huileuse, elle est toxique. Inutile de brûler, on va reconnaître la morille, mine les yeux fermés. Vézémir m'a raconté qu'après avoir appris le signe d'Igni, il a essayé de le lancer sur ses champignons. Pas très malin. Et que s'est-il passé? Ils sont retirés. Le jeune sorceleur cicatrise très vite. Ouais, j'évite de me faire péter moi-même la figure, ce serait bien. Bon, écoutez, hop, on a pas mal avancé pour ce soir. On verra demain la suite. À 20h30, Potion Craft, à la demande de Monsieur Hazard, qui voulait à tout prix que je joue Potion Craft. Donc, je jouerai Potion Craft. À 20h30. Ah oui, il y a du monde. Je croyais que c'était la dernière à lancer ce jeu, moi. Réservé au follow, eh ben, tu vas aller voir ailleurs si je suis. Ça, c'est un live où la personne ne parle pas du tout, ne lit même pas son chat. Super. Ici. C'est ce petit con. Shit, bullshit. Ça sort plus à rien. Là, c'est un bon. Tac, allez. Oh. On va lancer un raid chez Louis. Il va nous laminer encore cette partie, je le sens. Et donc, moi, je vous dis à tout à l'heure pour Potion Craft, pour ceux que ça intéresse. Bonne soirée pour les autres. Moi, je vous dis bon appétit. À tout à l'heure. Ouais, je vais laminer.